aussi construit l'Afrique. Tout à fait. L'Afrique a construit l'Europe en retour et il faut penser ce moment d'enchevêtrement. Il faut le penser. La théorie postcoloniale nous a aidé à un moment donné à le faire, mais je crois qu'il est temps d'aller un peu au-delà de la théorie postcoloniale. Il faut penser cette réalité, surtout à cause du fait que, non pas seulement à cause du passé, mais à cause d'un présent dans lequel il ne pourra plus jamais y avoir, disons, d'identité européenne qui n'intègre pas la réalité d'une nouvelle citoyenneté, je dirais, afropéenne, pour utiliser un terme emprunté à l'écrivaine camerounaise, je crois que c'est Miano. Léonore. Mais c'est justement à ce niveau-là qu'on sent qu'il y a une résistance importante qui aujourd'hui se greffe surtout sur le débat autour de l'islam, car on a peur de l'islamisation de l'Europe, et bien sûr l'islamisation de l'Europe est une métaphore pour le changement de l'Europe et l'imbrication de l'Europe dans cet espace géométrique qui change régulièrement. Et parlant de l'intérieur et parlant de l'Europe, on rencontre énormément cette résistance de premier lieu, et on rencontre aussi d'un autre côté les mondes parallèles dans lesquels on vit, où ce discours, où il y a une conviction aussi assez partagée, qu'on vit dans une époque post-racialisme, où la question de la race ne joue plus énormément, et où mettre en avant cette question du racisme devient une chose sensible, voire même désappropriée. Comment est-ce que vous voyez cela dans notre contexte? Disons qu'il faut analyser ces transformations en relation avec d'autres qui ont lieu ailleurs dans le monde, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Afrique du Sud et ailleurs. Il faut arrêter de regarder l'Europe comme si elle formait une entité à part du reste du monde. Alors si on essaie d'analyser ce qui se passe ici en relation avec notre processus ailleurs dans le monde, on est bien obligé de constater que le concept de post-racialisme est au fond un concept idéologique. Elle est un concept purement idéologique dans la mesure où il n'y a pas de post-racialisme. Le racisme, le propre du racisme est d'être constamment en mutation, de changer constamment de forme, et de constamment recycler un vieux fond archaïque qui de temps à autre s'exprime, disons, sous la forme d'un humour raté, sous la forme de dispositifs coercitifs visant à stigmatiser des gens dont on ne veut pas, qu'on ne veut pas vivre avec, et dont on considère qu'ils ne sont pas les nôtres. Et donc cette question de savoir qui est les nôtres, qui est notre parent, qui est notre voisin, qui est notre concitoyen, comment traiter celui que nous décrétons être notre ennemi, qu'est-ce que la peur, de quoi a-t-on peur, pourquoi est-ce que l'autre qui est en nous, on essaie de l'extérioriser, pour quelles raisons? Je crois que ces questions sont avec nous. Elles ont pris une ampleur assez dramatique au lendemain des attentats de New York. Et aujourd'hui, une partie du racisme s'exprime effectivement sous la forme de l'islamophobie et du rejet, la peur de l'étranger. Mais une fois de plus, ces questions renvoient à des préoccupations centrales de notre temps. Dans la mesure où nous n'avons qu'un seul monde, où ce monde est profondément interpénétré, comment le partager? Comment le partager en sachant très bien que ce qui nous différencie est en même temps ce qui nous unit? Ou la question de la similarité et de la différence, au fond, ces deux questions sont devenues parfaitement inséparables.
Je crois que c'est dans ce sens-là, la situation d'une critique de l'existant et d'une ouverture sur ce qui est possible. C'est un peu ce que moi, en tout cas, l'expérience sud-africaine me convie à privilégier comme piste. Si on pensait de se faire entendre, plus par rapport à l'espace politique ou des pouvoirs publics, qu'est-ce qui permet d'avoir un discours audible et peut-être aussi fédérateur? Alors, évidemment, tout dépend des situations, et puis on va me demander de répondre aux questions, disons, qui sont belges. bien entendu, donc je voudrais juste vous prenez avec un grain de sel ce que je vais vous dire. Moi, je suis vraiment pas qualifié pour répondre à cette question. Je suis qualifié pour vous dire comment ailleurs. On a répondu à ce type de questions, quitte aux acteurs belges, de trier là-dedans ce qui peut être appliqué ici ou pas. Alors, la question de la voix que vous évoquez, elle est absolument fondamentale. Elle, derrière elle, c'est la question de la démocratie, de l'approfondissement démocratique qui est posée. Puisqu'il n'y a pas de démocratie sans voix. Encore faut-il que la voix soit, que quelqu'un entende ce qui sort de la voix. Et la crise de la démocratie dans le monde contemporain provient à pour origine, en partie, le fait que l'on a beau parler, personne ne veut écouter. J'ai un ami chinois qui me dit, mais la différence entre la Chine et les États-Unis, il enseigne aux États-Unis. Il me dit, mais la différence, c'est que aux États-Unis, vous pouvez toujours parler. Mais personne n'est obligé de vous écouter. Alors, lorsqu'on en arrive à l'état où, bon, vous pouvez parler, mais personne n'est obligé d'écouter, il faut convenir qu'il y a quand même quelque chose. Il n'y a plus de communication. Mais pour revenir aux nouveaux citoyens européens, c'est-à-dire aux gens qui sont, dont les parents sont venus d'ailleurs, qui ont une nationalité européenne à tout le moins formelle, qui ne partiront pas d'ici, qui sont d'ici. Et personne ne devrait leur demander de partir d'ici. Ils partiront s'ils font le choix de partir. Mais ils appartiennent désormais à cette formation historico-culturelle et politique, à cette communauté. J'imagine que la première chose pour avoir une voix, c'est de s'organiser et d'organiser de nouvelles luttes. On ne fera nulle part l'économie de la lutte. Aux États-Unis, au sortir de l'esclavage, lorsque l'esclavage a été aboli, la proclamation d'émancipation faite par Lincoln, et bien avant cela, pour obtenir une voix, les esclaves ont dû s'organiser. Ils ont dû s'organiser, mais dès le début, des gens qui parlaient différentes langues pour se constituer une langue commune pour pouvoir communiquer entre eux. Ils se sont organisés pour, disons, réarticuler leur rapport au divin. Puisqu'ils étaient exclus des églises établies, ils ont fondé leurs propres églises. Ils ont fondé leurs propres institutions. Ils ont fondé leurs écoles. Ils ont appris à lire et à écrire. Je crois que pour avoir une voix aujourd'hui, en France, en Angleterre, en Hollande, dans les pays scandinaves et ici, il faut que ces gens s'organisent. Et il faut qu'ils se créent en dehors des institutions établies, qu'il ne faut pas déserter, il faut qu'on soit présent dans les institutions, mais il faut leur ajouter un supplément. Il faut voir comment, par exemple, les autres diasporas
se sont organisés. Comment les Juifs ont fait au moment des pogroms pour conserver des lieux d'études, des lieux de réhabilitation de soins? Comment est-ce que les Coréens, les Japonais, les Chinois sont organisés pour reconstruire des réseaux économiques pour que la richesse qu'ils produisent puisse recirculer au sein des communautés? Je crois qu'il faut impérativement un retour à ces archives pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a là des modèles qui pourraient faire l'objet d'une réanimation dans le contexte du présent. Et évidemment, créer des solidarités horizontales avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui existent dans tous ces pays pour articuler une nouvelle proposition de futur pour ces vieilles sociétés où on a l'air de penser que tout a été fait et qu'il n'y a plus rien à inventer. Donc c'est le type de réponse assez abstraite, mais enfin, historiquement fondée. Et disons, je répondrai à votre question. Une dernière question peut-être avant de donner la parole aux acteurs de la société civile. L'acteur de la société civile qui essaie justement de recréer leur contexte pour recréer une autre Europe plus inclusive aussi, plus ouverte à la multiplicité qui se présente aujourd'hui dans sa réalité quotidienne. Mais pour revenir à une question beaucoup plus précise et que vous allez aussi traiter dans votre prochain livre, donc à travers votre parcours, en essayant hier, vous avez abordé la question de est-ce qu'on peut réfléchir à la question des structures politiques d'une autre façon, donc repenser la question de la démocratie en lui ajoutant d'autres principes. Votre prochain ouvrage traite plus de la question de l'art et des pratiques artistiques comme on pourrait dire une forte force de mobilisation et un langage alternatif. Est-ce que, et c'est aussi un commentaire que j'ai reçu hier de quelqu'un qui m'a dit pourquoi toujours l'art, car c'est quand même aussi se concentrer sur un truc, sur un élément bien précis dans les sociétés. Est-ce que pour vous cet engagement vis-à-vis de l'art, est-ce que c'est plus, on le voit aussi ici dans le hip-hop par exemple, où c'est un vecteur, un porteur de langage, là où d'autres formes de parler ne sont plus possibles, l'art permet des formes de communication que d'autres vecteurs ne permettraient pas. Est-ce que c'est cela l'engagement que vous avez? Pourquoi cet aspect? Et quels sont les langages politiques que vous voyez aujourd'hui, aussi bien dans le contexte global que dans votre contexte? Disons que l'intérêt, c'est sur les processus de création. Hein. L'art étant une des médiations. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les processus de création. On sait plus ou moins maintenant comment opèrent les processus de destruction. L'histoire de la destruction en Afrique est plus ou moins solidement documentée. Ce qui l'est moins, c'est l'histoire des multiples façons dont les gens reconstruisent, retissent des vies qui ont été brisées en membres ou en autre. C'est l'histoire des refondations et de l'effort de création qui est impliqué dans ce genre de situation. C'est cela qui m'intéresse. Et les arts, pas les arts en général, mais certaines pratiques artistiques, qu'il s'agisse de la musique, ou qu'il s'agisse des arts visuels, de l'architecture, sont un peu comme des fenêtres qui permettent d'avoir une vue sur qu'est-ce qui se passe lorsque on crée, dans quelles conditions on crée quoi. L'effort, c'est de voir. Moi, ce qui me frappe quand je voyage en Afrique, je le disais hier, dans les grandes villes d'Afrique, c'est quand même l'incroyable énergie que les gens par le bas mettent dans l'effort de créer des infrastructures
pas de grosses infrastructures, des conditions d'une vie plus ou moins digne. Pas d'une vie de richesse, mais d'une vie où les conditions minimum de dignité puissent être réunies. Et donc, l'art, évidemment, pas parce que il y a un élément magique dans l'art, mais l'art comme un des langages possibles de cet effort fondamental pour recréer un espace là où les forces de destruction, on le sait, ont créé autant de dévastation. Et ceci est un prolongement d'une tradition de la pensée critique et politique noire où le thème de la vie est absolument fondamental, qu'il s'agisse du Bois, de Gilroy, de Senghor ou de beaucoup d'autres. En particulier, ou des luttes pour la reconnaissance en général, c'est que les formes de la méconnaissance et les formes du racisme se transforment beaucoup plus vite que les réponses que nous articulons pour nous opposer justement à toutes ces mutations. Et donc il faut réduire, d'un point de vue conceptuel, la distance entre ces deux ordres du réel. J'imagine. Je ne connais pas très bien la situation ici en Belgique. Je connais un tout petit peu la situation en Afrique du Sud, où les luttes contre les formes de racialisation ont pris mais des siècles. Alors, avec les luttes d'aujourd'hui se mènent avec quelle temporalité? Sur quelle heure du temps à partir de quelle heure du temps travaille-t-on? Aux États-Unis, ça a mis à peu près 2,5 siècles avant l'abolition de l'esclavage. Quelle est l'échelle du temps à partir de laquelle nous imaginons nos luttes? Est-ce que c'est l'échelle courte? Est-ce que c'est la moyenne durée? Est-ce que c'est sur la longue durée? Et du coup, je crois qu'il est important de revisiter ces archives pour voir comment est-ce que ces articulations ont été faites dans des conditions historiques certes différentes, mais qui peuvent néanmoins nous être utiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour imposer dans les années 60 la reconnaissance de l'égalité civique? Quelles forces on a mobilisées? Quel type de réflexion théorique, sociologique a été mise en branle? Où étaient les lieux d'éducation politique? Comment est-ce qu'on a assuré l'émergence de contre-élites, élites se situant en dissidence par rapport à l'ordre établi? Quelles sont les productions symboliques qui ont été nécessaires pour orchestrer les mobilisations, organiser la remontée en humanité? Je crois que c'est un travail de très longue haleine et très profond. Quel rapport est-ce que l'on a eu, parce que c'était le cas en Afrique du Sud et aux États-Unis, avec la possibilité de perdre sa vie dans ces histoires-là? Parce que beaucoup y ont perdu la vie. Je ne dis pas que c'est le cas en Europe nécessairement, mais enfin, il y a eu toute une série d'exercices, d'assaises, de travail sur soi, de libération intérieure, qui a permis ensuite certaines formes de mobilisation. Mais si on veut être citoyen aujourd'hui, on ne fera pas l'économie, cela ne va pas nous être donné. Il faudra lutter pour cela. Il faudra lutter ici, en Europe,
en Afrique, au Cameroun, en Afrique centrale, en ce moment même en Afrique du Sud, où ces questions se posent différemment, 20 ans seulement après l'abolition de l'apartheid. Et donc, c'est le défi global n'est pas seulement européen. Le défi dans le monde de l'OTAN, c'est de repenser, de investir massivement, intellectuellement et avec d'autres moyens, dans la conception d'autres formes de la lutte, dans un contexte extrêmement mouvant et beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a jamais été. Un contexte d'extension d'un capitalisme purement abstrait, mais qui détruit matériellement et physiquement, qui produit la dévastation des vies. Un contexte également marqué par la possibilité réelle d'une extinction du genre humain. Ne serait-ce que parce que l'histoire sociale et l'histoire naturelle et géologique, il n'est plus possible de les séparer. Les êtres humains étant devenus des agents géologiques. Et la question du climat, la dégradation climatique, posant en termes nouveaux, justement, cette possibilité d'extinction du genre humain. Je crois qu'il faut poser ces questions à ces niveaux-là. Si on veut réinventer, disons, d'autres mécanismes de lutte. Parce que moi j'ai utilisé le terme post-colonie dans l'ouvrage que vous citiez il y a un moment. C'était pour deux raisons. La première, c'était pour nous démarquer, disons, du courant d'idées que l'on appelle les études postcoloniales. Pas du tout parce que je suis hostile aux études postcoloniales, à la manière de certains, en France en particulier. Je n'ai aucune hostilité à l'égard des études postcoloniales. Je crois que les études postcoloniales ont apporté énormément à notre compréhension des formes d'enchevêtrement en Europe et ses ailleurs. Et c'est une contribution absolument essentielle à la compréhension de l'histoire d'hier, de l'histoire d'aujourd'hui et de l'histoire de demain. Je voulais me démarquer de ce courant parce que néanmoins, je pensais que ce courant accordait peut-être un peu trop d'importance au rapport, disons, avec l'Europe. Ce courant érigeait l'Europe comme en une souveraineté à laquelle on pouvait difficilement échapper. Or, y compris d'un point de vue politique et intellectuel, je crois que le cycle historique qui a conduit à nous enfermer dans un rapport absolument difficile avec l'Europe, que ce cycle lui est terminé. Et que d'un point de vue épistémologique, nous avons le droit de poser des questions à nous-mêmes sans que l'Europe soit nécessairement la référence terminale de notre discours. Je crois que ce geste est absolument important, notamment à l'heure où vous allez à Johannesburg, les gens ne pensent pas à l'Europe. Mais pas du tout. Les gens pensent à la Chine, par exemple. Les gens pensent au Brésil. Ils pensent à l'Inde. Vous prenez l'avion à Johannesburg pour aller à Lagos, vous serez absolument étonné par ce que vous allez voir. De nouveaux flux de circulation, de nouvelles routes qui sont en train de être ferrées
Les gens pensent, par exemple, j'étais à Luanda il y a 3 mois, la grande discussion c'est, oh vous savez, au cours des 7 dernières années, environ 15 000 à 18 000 Portugais sont venus s'installer chez nous. Alors, est-ce qu'on va leur donner une nationalité ou pas? C'est ça la grande discussion. Nous sommes devenus soudain des récipiendaires d'une nouvelle phase d'immigration. Qu'allons-nous faire de ceux qui viennent chez nous? Donc certains veulent lier leur sort au nôtre. Et donc vous avez des gens qui disent non, il faut leur accorder la citoyenneté. C'est absolument important que nous nous positionnons dans ce nouvel espace mondial où les circulations ne se font plus verticalement nécessairement, mais au fond où il y a des circulations horizontales qui nous ouvrent à l'est, à l'ouest, au sud et ainsi de suite. Mais si nous sommes murés dans cette espèce de confrontation avec l'Occident que nous prenons pour le référent absolu, nous ne pourrons pas réfléchir à ces, disons, processus émergents qui se passent de l'Occident. Ce qui ne veut pas dire que l'Occident est devenu inutile, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas hostile à l'Occident. J'observe que, à cause de ce qu'elle fait, de la manière dont elle s'identifie, elle se pense dans le monde contemporain, elle est en train de devenir inutile pour les sociétés qui sont en quête du futur. Elle n'a plus une proposition de futur à nous proposer. Alors pourquoi continuer à être obsédé par l'Occident? Et c'est pour cela, moi, c'est ma démarche. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai utilisé le terme post-colonie, elle a trait au fait que je voulais très sérieusement, comme prise de position politique, réfléchir sur la question de l'autoresponsabilité. Nous ne pouvons pas être crédibles dans le monde si nous ne sommes pas responsables et comptable d'abord face à nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas capables d'articuler une critique de l'ordre qui a été instauré